ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no calculator. And that's a fact. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Pour aujourd'hui, une recette salée, on va faire des escalopes de dinde, donc de la dinde farcie à la florentine. Alors, pourquoi florentine? Parce qu'il y a des épinards. Donc en fait, on va prendre des escalopes de dinde, on va les farcir avec un mélange d'épinards, de ricotta, de gouda. Enfin voilà, je vous montre ça. Et on va les faire cuire dans une sauce à base de crème, d'épinards aussi. Ça va être une sauce crémeuse, onctueuse, savoureuse, encore un mot en euse. Non, ça me vient pas. Enfin voilà, tous les mots en euse. Voilà, je vous jure que cette recette va faire des adeptes à votre table. Même ceux qui n'aiment pas les épinards risquent d'aimer cette recette. Allez, on y va. On commence ensuite par la liste des ingrédients. Bien sûr, il va nous falloir 4 fines escalopes. Alors là, c'est pour 4 personnes. 4 fines escalopes de dinde. Bien sûr aussi florentine, donc des épinards. Il y a 100 g d'épinards. Il y a la moitié qu'on va servir pour la farce et l'autre moitié pour la sauce. Du sel, du poivre. Pour la farce, on va avoir besoin 100 g de ricotta, 50 g de gouda, du gouda jeune, un œuf et de la poudre d'amande. Ça va nous permettre de lier l'ensemble. Il y a 25 g de poudre d'amande. Un peu de beurre pour la sauce, un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir les escalopes une fois qu'elles seront farcies. Pour la sauce, de la crème. Donc moi là c'est de la légère mais vous pouvez mettre de la rouge hein, si vous voulez. 200 ml, 2 gousses d'ail, j'ai une cuillère à soupe de fécule de maïs pour épaissir un petit peu la sauce et 100 ml de bouillon de volaille. Donc c'est de l'eau avec un cube, de l'eau chaude dans lequel je dissous un cube. On y va, on commence tout de suite par faire fondre alors la moitié des épinards dans une poêle bien chaude. On va les faire tomber pour pouvoir faire notre farce. Donc vous mettez à peu près 50 g. On va ajouter quoi que ce soit, une poêle bien chaude et on ajoute du coup la moitié des épinards. À peu près, et on les fait tomber. Une fois qu'ils sont tombés, on les retire. Alors une fois que nos épinards sont tombés, vous voyez il reste pas grand chose hein, on les met du coup dans un petit robot pour les mixer, pour en faire la farce. Donc on met les épinards, on éteint la poêle, on va encore en avoir besoin après. On va mettre notre ricotta, alors vous voyez plus rien, je vous ai baissé. Alors du coup les épinards dans le petit robot, on ajoute la ricotta, le gouda, tout va être mixé ensemble. Oups. On va rajouter notre poudre d'amande, c'est ce qui va faire tenir l'ensemble avec l'œuf. On aurait pu le remplacer aussi par la chapelure, mais la poudre d'amande ça va apporter une texture et un goût aussi. On va poivrer un petit peu. Pour l'instant je vais pas saler parce qu'il y a le fromage et tout, où je vais juste en mettre un tout petit peu, une petite pointe de sel, mais pas grand chose puisque le gouda et la ricotta sont déjà des fromages plus ou moins salés. Et ça, hop, on ferme et on mixe pour avoir une pâte. Alors on obtient une pâte verte, voilà, et on va en farcir du coup nos escalopes. Alors j'ai pris des petits cure-dents pour fermer les escalopes. On va, hop. Alors le petit truc aussi qu'on peut faire, si on n'a pas des escalopes qui sont très fines, on prend une planche, on prend nos escalopes. On met un papier, style papier sulfurisé ou un plastique, et on va venir taper avec un, alors allez-y mollo, hein, mais avec une casserole ou avec un rouleau à pâtisserie aussi, ça fonctionne bien. Hop. Et on tape pour en avoir des bien fines. Une fois qu'on a du coup des escalopes bien fines, on vient mettre une belle cuillère de farce
on vient refermer notre escalope. Alors on la ferme plus ou moins et on vient venir mettre notre petit cure-dent pour maintenir le tout. Alors faut pas trop farcir parce que autrement ben voilà, ça dégueule un petit peu. Oh, j'ai dit un vilain mot. Ça coule un petit peu. Faut y aller généreux mais en même temps pas trop quoi en fait. Mais bon après ça va se solidifier hein, ce qui est à l'intérieur. Puis on va le faire cuire au four. Donc il n'y a pas trop de risque que voilà, on va essayer de pas trop les travailler. En fait on va juste les faire dorer et ensuite elles vont cuire au four. Pour éviter justement que la farce se détache à l'intérieur. Puis après il y a l'œuf et la ricotta, le fromage aussi, tout va faire en sorte que la farce soit coagulée à l'intérieur et reste à l'intérieur. Donc je vais faire la même chose avec les autres escalopes. Alors, une fois que les escalopes sont farcies, on met la poêle en route et on ajoute l'huile d'olive dedans pour qu'elle soit bien chaude. En fonction de la taille de vos escalopes, vous allez peut-être avoir plus ou moins de farce. Moi, elles n'étaient pas très grandes. Enfin, il y en avait deux grandes, mais deux petites. Et du coup, il me reste un petit peu de farce. C'est juste pour prévenir. Mais bon, je pense que je vais les servir. Je vais mettre la farce sur les haricots verts pour ne pas gâcher. Je vais servir les escalopes avec du blé, enfin un mélange de céréales et des haricots verts. Et la farce, je mettrai une cuillère dessus ou je mélangerai dans les haricots verts pour pas la... pour pas la gâcher. Donc là j'ai mis ma poêle en route avec mon huile d'olive. Une fois qu'elle est bien chaude, on va pouvoir commencer à faire dorer nos escalopes. Alors on essaye de les manipuler avec précaution pour éviter que la farce se retire de trop. Alors vous voyez là, je suis en train de cuire, la farce elle coule pas hein. Ça va coaguler à l'intérieur, ça va pas bouger logiquement, ça devrait pas s'étaler. Alors une fois que nos escalopes sont dorées, on les retire. Vous voyez, ça s'est échappé un petit peu, mais c'est léger. Après, il faut vraiment essayer de bien les fermer. Donc là, je vais retirer parce que je veux pas que ça brûle. On va mettre du coup le beurre et on va faire notre petite sauce dans laquelle vont finir de cuire les escalopes. Donc je mets le beurre. 15 g de beurre, j'ajoute l'ail, donc les deux gousses d'ail qu'on va venir presser, on fait légèrement revenir, ensuite on ajoute notre crème, je vais baisser le feu, hop. On va diluer notre maïzena dans le bouillon et on va l'ajouter aussi. Et on met le restant des épinards qu'on avait tout à l'heure. Garder donc la moitié des 100 grammes, donc à peu près 50 grammes. Alors on va laisser tomber les épinards et laisser mijoter 5 minutes à feu doux. Alors les escalopes, comme je vous ai dit, elles vont finir de cuire au four. Donc soit vous les mettez directement dans un plat qui va au four, un plat à gratin, et ensuite vous venez rajouter la sauce sur le dessus, ou soit vous faites comme moi, vous utilisez une poêle qui va au four. Donc là moi je vais juste rajouter mes escalopes à l'intérieur et mettre le tout au four. Alors je sale pas, je poivre pas parce qu'il y a le bouillon qui est déjà salé, donc il n'y a pas besoin de saler encore en plus. Donc au bout des 5 minutes de cuisson, on va venir remettre nos petites escalopes farcies dans la poêle. Prendre une petite cuillère et on va l'arroser avec la sauce et ça va finir au four. Donc j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés à peu près pour qu'il soit chaud en début de recette. J'arrose un petit peu avec la sauce.
Voilà, et ça va partir au four et finir la cuisson. Donc là, ça part au four pour à peu près 20 minutes, le temps que la dinde cuit bien, surtout à cœur. Donc voilà ce que ça donne du coup à la sortie du four. Donc vous voyez, hein, la farce, elle n'a pas coulé, elle est restée à l'intérieur. Alors si, mettons, vous trouvez que votre farce est trop liquide, vous pouvez rajouter un petit peu plus de poudre d'amande. Voilà. Si, alors surtout si vous le faites avec des épinards surgelés par exemple, parce que là moi c'était des épinards frais, vous risquez d'avoir une farce qui est trop liquide. Et du coup, ben, pour utiliser le restant de farce et pas gâcher, je l'ai mélangé juste avec des haricots verts que j'ai fait cuire à la vapeur. C'est un mélange de céréales, donc là j'ai juste, pour la déco en fait, j'ai juste mis, vous voyez, dans un verre. Hop, puis on retourne. On tasse bien et on retourne. Donc voilà pour la recette du jour. Alors là, moi j'ai fait avec des escalopes de dinde, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec des escalopes de poulet. J'ai mis du gouda par choix, parce qu'en fait, je voulais un fromage qui soit pas trop fort en goût. La ricotta, l'amande et les épinards, ce sont pas forcément des saveurs très très prononcées. Et je voulais vraiment que la farce, on sent un petit peu tout ça, quoi, en fait. Qu'il n'y en a pas un qui prend plus de saveur que l'autre, enfin le dessus sur l'autre. J'aurais pu mettre du parmesan par exemple, mais le parmesan c'est un goût quand même assez fort, donc j'avais peur que ça prenne trop le dessus. Donc voilà pourquoi j'ai mis du gouda, mais vous pouvez très bien mettre un autre fromage, hein, si vous le souhaitez, comme de l'emmental ou voilà, c'est à vous de voir. Donc je vous mets comme d'habitude une petite photo ici de l'assiette une fois dressée. Je vous mets aussi la fiche recette que vous pouvez retrouver du coup sur le blog. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye, bisous, à demain. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. Something I know is greater, and I don't need no count.